Yves était avec moi depuis le début. On avait rassemblé tous les soldats désaxés qu'on pouvait et formé les scorpions après le débarquement. On était devenu le pire cauchemar des nazis. C'est bon de vous voir, capitaine. Je vous fais le topo. C'est cette jeune fille qui a réussi à retrouver notre trace à tous les deux. Elle s'appelle Ginny Williams. Ginny Williams. Ravie de vous rencontrer, capitaine. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ouais, enchanté. Mais comment est-ce que vous nous avez trouvés ? Pas le temps pour ça. On a une mission. On ne sait pas grand-chose sur ce canon de soleil. Sinon que c'est du lourd. Genre d'Erbestrafe, puissance 1000. Le général Schwartz a organisé une fête à bord de son U-boat privé, d'où il compte l'utiliser pour la première fois. N'en dites pas plus. Arme de mort nazie, créée par des nazis, opérée par des nazis, et bientôt recouverte de cadavres nazis. Ah, sympa. Excusez-moi, monsieur. Ah bah c'est la mission de la démo. Je crois que c'est que par derrière qu'on peut les... Ah non. Je me rappelle plus s'ils s'activent si on passe trop près d'eux. J'imagine que vous êtes arrivé à la station. Armée, parée, à tuer du nazi. Vous parlez d'autre chose que de tuer, parfois. Cross dit qu'il est prêt. C'est chez vous. À son âge, on aurait collé au trou si j'avais parlé comme ça à la supérieure. Son père aurait voulu lui apprendre les bonnes manières. Là... 8 balles. Ah putain, c'est la zone de triage. Y a-t-il moyen que je fasse une bonne infiltration? De toute façon, je suis obligé de passer de l'autre côté, tôt ou tard, d'après mes souvenirs.
Ah ouais, ok, il a bugué, qui était juste en dessous. C'était à prévoir, j'étais... Oula, qu'est-ce qui lui arrive à lui? J'aurais tenté au moins. Bon bah du coup vu qu'on se fait rôder, on va faire le plein de munitions. Ah merde. Hop là. N'empêche, je suis vraiment con d'avoir cru que le petit robot là, il allait pas me voir alors qu'il était juste à côté. Ah moi j'y ai cru hein, ah bon, je vous assure j'y ai cru. Je me suis dit, ah il y a peut-être moyen. Hop là, allez. Ah putain, je suis con. Corpo main tomahawk. Expliquer pourquoi la caisse était pétée alors que les combats se passent en bas.
Il y aurait une grenade perdue. Ah pardon, vous avez pas vu. Vous devriez être près de la station du canon Alpha. Il devrait y avoir assez de puissance de feu pour détruire un super canon. Non. Fouille bien, il y a toujours plein de trucs à prendre ici. Ah. Voilà, les documents secrets. Voilà. Ah, ça t'a chatouillé le cul un peu. Avoue. Le mec, il s'est... J'ai lancé le truc, il... enfin le Tomahawk, qui s'est gratté le cul après. Allez dans sa direction et voyez s'il a besoin d'aide. Ginny terminée. Je veux ça. Ginny terminée. Elle m'a raccroché au nez. Je ne fais que passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Hier, j'ai bien je trouve de... Non, c'est pas comme si le casque avait volé. Totalement abruti ces super soldats, c'est un truc de dingue.
Oh bordel, j'étais presque. Bon allez, on fait comme d'habitude, on se planque et on sort les Gegen. Il a sauté dessus comme un con. Et il est pas mort en plus. Wow. Ouh, des flaps. Brrr. Ça vous apprendra à faire les malins avec tes os. Ils ont essayé de nous mettre le trac comme malus, hein, mais bon, moi, pour l'instant, tant que je traverse pas, y'en a rien à faire. Mort, monsieur. Ah bien. Comité d'accueil. Quelle honte se faire tuer par sa propre arme. Un bon petit foule dans la tronche, y'a plus personne. Il y avait moyen de se mettre bien ici. Ah ouais, tu passais là. Wow. Tu passais en haut et puis personne te voyait en fait. Hop là. Lol.
Oh mon dieu. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait des robots. Ah l'Alaska. Jerry, réponds. La mission est terminée, mon vieux. Facilite-nous la tâche et rends-toi à mes amis, tu veux? Quoi? Ils t'ont eu? J'arrive tout de suite. Je suis un espion, espèce d'attardé. J'ai toujours fait partie de l'Empire allemand. Clive Cross n'est pas mon vrai nom. J'ai volé ses plaques sur le corps d'un intermédiaire. Rends-toi. Honte de fils de pute. Bon, moi, il tire pas sur mon cadavre. Hein. Va me faire chier longtemps. Capitaine, répondez. Clive est un prêtre. Ouais, il vient juste essayer de me tuer. Je savais pas. Il est venu me voir en disant qu'il savait où vous trouvez et j'ai fait confiance à cette pourriture. Du calme. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que je peux trouver Cross? Il est dans le super canon et il va me tirer dessus. Il faut détruire ce truc. Bah allez, plus le temps de rigoler, la trahison c'est grave. C'est interdit par la loi. Du coup on va tout défoncer. Par contre, je ne me rappelle plus, c'est... Ah voilà, c'était la touche P. Hein ? La cadence de tir, putain, de cette arme, elle est magique. Je suis un nazi, espèce d'attardé. C'est vrai qu'il est un peu con, notre perso. J'ai préparé un muscle. Capitaine, répondez, capitaine. C'est Cross. Il... Quoi?
Wow, on se calme. En train de tirer sur un missile, mais bon, il explose pas, c'est génial ça. Est-ce que je suis un nazi, espèce de tardé? Il m'a tué. Gentlemen, il me faut des balles là. On devrait faire l'affaire. Ah bon, on l'aurait bien tenté. Oh, Tizo le mec le plus abruti du game. Hop là. Faire péter son préalable. Wow. Il y a des mecs dangereux dans le coin. Allez. Là on fait la grosse salope, on part dans l'autre sens. Ah, j'adore cette arme franchement. Capitaine, dépêchez-vous. Cross va faire feu d'une minute à l'autre. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais devoir improviser. Ok, donc c'est par là.
fait faire feu avec ce canon sur la fillette et la faire disparaître en même temps qu'une bonne partie de l'Alaska si tu ne te rends pas. Je ne me rendrai jamais. Mauvaise réponse, Jerry. Feu ! Une dernière chose, Clive. Tu te souviens de Rome ? Rome ? Qu'est-ce que ça vient faire ? Oh merde ! Ça me fait plaisir que tu te souviennes. On se reverra en enfer, Clive. Non, annule ! Annule ça, espèce d'idiot ! Mon meilleur ami s'était avéré être un espion nazi. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je n'aurais pas dû m'énerver, Kraus. Tes dernières paroles, pourriture de traître. Merde, Jerry. Tu n'as jamais lâché l'affaire, pas vrai? Pas une seule seconde. On se reverra en enfer, mon vieux. La trahison de Kraus faisait mal, mais on avait encore une mission à accomplir. Et au moins, je n'étais pas seul. On peut encore rejoindre le sous-marin et empêcher le lancement du Sonnengewehr. Vous êtes sûr que vous êtes prêt? Vous plaisantez. Je suis toujours prêt pour tuer du nazi. Mon Dieu! Vous êtes vraiment toujours comme ça? Vous parlez toujours de tuer et de massacrer? Vous croyez quoi? C'est la guerre! C'est pas vrai. Maman avait raison à votre sujet. Toujours à répéter, j'ai une mission et je vais la faire, et tirer partout et tuer tout le monde, et toutes ces conneries. Écoutez, ça fait 20 foutues années que je me bats et que... Attendez, votre mère? Oui, espèce d'idiot. Ma mère, Henrietta. Je suis votre fille, espèce de mou du bulbe. Oh, ma fille. Ok. je sais pas si... Ils ont réussi à faire passer, c'est ta fille, etc. Mais franchement, c'était un peu nul, enfin... Enfin bref. D'accord.